Valant de 85 millions d'euros d'amende et de compensation, c'est la somme dont va devoir s'acquitter Gunvor. L'entreprise russo-suisse vient d'être reconnue coupable par la justice suisse de faits de corruption en Côte d'Ivoire et au Congo-Brazzaville, deux pays dans lesquels elle se fournissait en pétrole. L'affaire avait d'ailleurs éclaboussé plusieurs proches du président congolais Denis Sassou Nguesso. Olivier Rouget. Gunvor a été défaillant, c'est ce qu'affirment les juges suisses. Le négociant pétrolier n'a pas pu empêcher la corruption par ses employés d'agents publics en République du Congo et en Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu car il ne disposait pas des mécanismes nécessaires pour empêcher de tels actes, disent les juges. Ni audit interne, ni code de conduite, ni programme de conformité, contrairement à ce que prévoit la réglementation. Pire, Gunvor a ignoré les signaux d'alerte et notamment le fait que certains de ses paiements étaient effectués sur des comptes basés dans des paradis fiscaux. Plusieurs dizaines de millions de dollars de commissions ont été versés à des proches du régime de Denis Sassou Nguesso, notamment entre 2009 et 2012, comme l'a révélé l'enquête menée par la Suisse. Résultat, Gunvor est condamné à une amende de 4 millions de francs suisses et à une compensation de 90 millions de la même devise qui correspond au profit engrangé par le négociant sur ses contrats. Gunvor ne conteste pas ce jugement mais maintient que sa direction n'était pas au courant des agissements de ses employés. Une thèse qui ne convainc pas l'ONG Public Eye qui a mené une enquête parallèle sur les activités de Gunvor. Le lanceur d'alerte regrette que la justice suisse n'ait pas poursuivi les dirigeants de la maison de négoce. Explication signée Olivier Rouget.